Non, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien chronométré ma fraise et je ne suis pas débordé. Donc, j'ai absolument aucune idée de savoir si je suis bien dans la cible. Je vais faire une présentation d'un retour d'expérience. Ça veut dire que ça va potentiellement barder les agilistes parce qu'ils vont trouver quelque chose de très classique. Et en même temps, je ne vais absolument pas parler de qu'est-ce que c'est que l'agilité. Qu'est-ce que c'est comment, qu'est-ce que c'est le problème de trouver tout ça. Je n'en parle pas du tout, ça ne m'intéresse pas d'en parler là. C'est très facile de trouver plein de trucs en ligne. Donc je ne sais pas trop où je vais tomber, on va voir. L'objectif de cette présentation, c'est de faire un retour d'expérience. Donc là, ça veut dire que pour moi, l'intérêt qu'on peut potentiellement y trouver, c'est de dire, ah là, ils ont fait comme ça, ah là, ils ont fait ça. Vous venez piocher ce que vous souhaitez dedans. Okay. Autre chose, c'est la dernière session de la journée avant la keynote finale. Il a fait chaud, vous avez tous mangé. Vous pouvez tranquillement vous asseoir. Regardez les images. Vous notez les films. À la fin, il y a la liste des films. Au pire, si vous vous embêtez, vous mémorisez la liste des films, vous la notez. À la fin, vous vérifiez si vous avez juste. Ok. Je dis saison 2, pourquoi? Saison 2, pourquoi? Parce que j'ai déjà présenté cette session l'année dernière. Donc en fait, elle a plus 9 mois maintenant, elle a 18 ans. Un site web. Et là, je l'ai modifié. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'eau qui a coulé sous les ponts durant cette mission agile. Et donc, j'ai d'autres feedbacks. J'ai toujours OK et il faut 5 minutes pour me chauffer. OK? Okay. Est-ce que ça va marcher à distance? Non, naturellement. Okay, donc c'est ce que je vous disais. Je ne vais même pas vous expliquer ce que c'est que Link en vente, tout ça. Vous allez sur Google, vous tapez les bons mots et vous le saurez. Là, c'est vraiment un retour d'expérience. D'une mission au niveau organisation, grosse organisation. Hein. Donc le contexte, c'est un gros éditeur logiciel dans le domaine de la bourse, des traders. Ouais. Début de la mission. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la mission? La mission démarre bien, c'est une bonne mission. Déjà, ils n'ont pas fait agile pour faire agile. D'accord? C'était donc il y a 18 mois. Ce n'était pas encore la mode comme c'est aujourd'hui. Tout le monde se sent fait de l'agile quoi qu'il arrive. Bon, c'était pas agile que l'agile. Là, c'était déjà un bon début. Les gens voulaient faire agile pour de bonnes raisons. C'était quoi leur bonne raison? Ils avaient un grand manque de collaboration entre les équipes au sein de la société. Bonne raison. Ils avaient besoin... On n'y voit pas bien, c'est dommage. Ils avaient besoin d'une grosse réactivité face au marché. Ok? Donc le fameux time to market. J'ai besoin de m'adapter, mon concurrent sort ça, j'ai besoin de réagir. Je vois qu'il y a une nouvelle règle qui sort sur je ne sais pas quel mouvement bancaire, j'ai besoin de m'adapter. Très bien. Troisième chose, ils avaient un gros manque de motivation dans les équipes. Tout le monde est bien désabusé, tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué. Donc ça, c'est quand même trois raisons qui me vont assez bien pour démarrer. L'agile n'étant qu'une solution parmi d'autres. Okay, on ne tombe pas dans un truc magique. On est pensé à une chose, pourquoi est-ce que je fais cette presse? Je fais cette presse pour essayer de ramener les gens sur ce que j'appelle la réalité agile, et pas l'agile mythologique que tout le monde imagine, avec tout marche bien, etc. Enfin, vous avez tous entendu parler du monde des bisounours, on emploie toujours cette expression. Et donc j'essaie de faire cette presse pour sensibiliser les gens à ce qui va bien marcher, ce qui va mal marcher. Autre remarque aussi, Thierry Montulé, je ne sais pas si vous connaissez Thierry, okay. Thierry Montulé, un agiliste, un coach agile, qu'on voit de temps en temps dans des événements. Il m'a dit, ouais, Pablo, moi, j'en pas en parlant de celle-ci. Pablo, j'en ai marre, moi, des retours d'expérience, parce que finalement, c'est que les consultants qui se font mousser. Je vais essayer de ne pas tomber dans ce piège. Donc, je vous dis ce qui se passe bien, je vous dis ce qui se passe mal. Première réponse, quoi qu'il arrive, ça ne va pas être un succès ou un échec. Ce sera jamais noir ou blanc. C'est toujours gris, vos transitions agiles. Okay, ça ne sera jamais j'ai réussi ou j'ai raté. Si vous avez réussi, vous aurez toujours des frustrations, j'espère. Si vous avez raté, bon, vous saurez pourquoi, mais il y aura des réussites dans cet échec. Ok, j'ai raté ça, mais j'ai appris ça, ou ça au moins on l'a réussi. Donc pourquoi ils le font, on l'a vu. Quelles sont les forces en présence que j'ai quand j'arrive dans la mission? J'ai une force qui est essentielle,
c'est que j'ai le management, et pas un petit management, un management très important, enfin, dans, hiérarchiquement on va dire, qui me soutient. C'est lui qui déclenche la mission. Je ne crois pas à l'agile bottom-up, ou exceptionnellement. D'accord ? Je ne crois pas à l'équipe qui va montrer que l'agile c'est bien et que tout d'un coup le management va adhérer, ou exceptionnellement. Dès qu'il va y avoir la pression, l'équipe n'a pas les moyens de dire non au management, donc on ne saura jamais vraiment. Ok ? Ok. Donc mené par le management, un trio en plus. J'ai de la chance, dans ce management, j'ai un trio, j'ai le responsable, le directeur technique, j'ai le responsable du produit, et j'ai le responsable de l'expertise fonctionnelle. Donc non seulement j'ai le management, c'est pas le top management, hein, c'est pas le codec, mais c'est en dessous, on va dire. Et en plus, j'ai les trois phases. Donc ça m'aide. Si vous ne l'avez pas, vous êtes sacrément handicapé. Deuxième chose, les forces qui m'aident dans ma mission. Vous vous rappelez cette scène du film ? Je suis parti vite, je ne vais pas poser la question. Qui est à l'aise avec l'agile ? Ouais, au moins la moitié, facilement. Ouais, réponse, c'est bien entré, tu sais pas ce que tu réponds. Alors, vous vous rappelez cette scène du film ou pas ? Cette scène du film, s'ils vont passer l'examen, ils ont 5 yes, sir, yes, qui obéissent bien aux ordres, et il y a Will Smith au milieu, et il file un questionnaire, et le piège du questionnaire, c'est que finalement, ils sont dans des sortes de sièges sous forme de bulles très inconfortables, il faut qu'ils répondent au questionnaire, et le piège, il est là, en fait. Et à un moment, il y a Will Smith qui, lui, est resté ouvert, qui est resté neuf. Tous les autres à côté, ils sont en uniforme. Il prend la tapis au milieu, il la tire, ça crisse, et il s'appuie, et il écrit. Ça y est, il a changé les règles, et il a réussi à arriver au bout. Ok ? Ça, c'est du 109. Très important. Donc là, je suis en train de vous dire, ouais, mais c'est une mission de caviar. Soutien du management, t'as du 109. Mais c'est pas fini, hein, je vais en rajouter. Ouais, c'est une mission caviar, mais si vous voulez que vos missions, vos transitions agiles, donc ça c'est une entreprise, je ne l'ai pas dit, mais ça doit être 800 personnes. Si vous voulez que ça marche, ça ne va pas marcher par magie. Hein. Justement, on arrête avec l'agile mythologique, réalité agile. Si vous voulez que ça marche, il faudra le soutien du management. Oui, il faudra du 109. Le 109, on peut le générer sans embaucher nécessairement des gens, en changeant les gens de place. On va le voir après, en cassant des silos. On peut générer une nouvelle vision en déplaçant un peu le positionnement des gens. C'est moins facile, mais ça peut arriver. J'ai des contraintes, naturellement. Je tombe sur une grosse structure. Vous imaginez, là, la Défense Paris, les grosses structures qui font des lignes de code en Java pour des milieux bancaires. Une grosse culture en V en silo. Très bien. En silo. C'est clair pour tout le monde, silo. Qu'est-ce que j'appelle silo ? Les techs, les fonctionnels. Les fonctionnels ne comprennent rien. Les techs chiffrent n'importe comment, etc., etc., etc. La QA, le support, le responsable du produit qui n'est même pas forcément, les product managers qui ne sont pas forcément d'accord avec les business analysts, les experts fonctionnels. D'accord ? Et tout le monde se renvoie la balle. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Donc, je passe. Je vous le dis, grosse structure, grosse dette technique. Confronté à deux produits, un qui fait 12 millions de lignes de code, un qui fait 10 millions de lignes de code. Quand on fait une release, elle va être vendue au client un an et demi après, dans le meilleur des cas. Okay, une migration va faire 6 mois. Donc là, c'est quand même de la contrainte. Donc on a les forces en présence, les avantages. Les contraintes classiques, c'est une notion assez classique, donc je pense que ça peut servir dans le sens où ça va rappeler plein de choses à pas mal de monde. Donc mes contraintes, mes forces, ils ont bien choisi la mission pour de bonnes raisons. À ce sujet, ils ont bien choisi, bon, je reviendrai après, Cliff Rewind, vous connaissez le core protocole Cliff Rewind ? J'ai le droit de dire à tout moment, dans une discussion, n'hésitez pas à dire clic, retour arrière, vous oubliez, je recommence à m'exprimer. N'hésitez pas à le faire. Clic rewind. D'accord ? Clic rewind. Donc on est là, comment ça va démarrer ? Bon, on va démarrer petit, malgré tout. Parce que le top management, le codec, je vous dis, c'est pas lui quand même le management qui soutient la chose initialement. C'est le grand manager, mais c'est pas le top. Donc, on va pas prendre toute l'entreprise d'un coup. Ça demande trop d'argent, trop de coûts.
Vous avez tous entendu parler de Salesforce qui est devenu agile, on va dire, en 4 ou 6 mois. Ils ont pris 40 consultants d'un coup. Et en 6 mois, ils ont tout changé. D'accord ? Ça a coûté très cher. Mais ça a été très bénéfique pour eux parce que c'est très bien. Là, c'est une autre approche. On commence par un département et une équipe. On va voir après, c'est le suivant, c'est une équipe. Okay. Donc, on va commencer sur une équipe, un projet. Et puis, on va grossir si on fait l'opreur, entre guillemets. Ce projet, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Je vous dis, on commence avec un projet. Il ne faut pas que ce soit non plus un petit projet qui n'ait pas de sens. Le projet, il est important de bien choisir le projet. Il ne faut pas que ce soit le projet le plus important de la société. Il faut que ce soit un projet qui ait beaucoup d'importance, malgré tout. Sinon, on ne saura pas mesurer la réussite de l'application de la méthode ou de tout ce qu'on va changer. Quand il va y avoir un coup de pression, il faut vraiment que ce soit un vrai coup de pression. Les managers que j'évoquais, ils ont quand même mis leur tête en jeu. Le projet échoue, je pense qu'ils quittent la société. Au moins un sur les trois. D'accord ? Sinon, on n'est pas capable de mesurer quand on a quelque chose de dur, il faut vraiment prendre une décision. Si c'est un projet fantoche, ça n'a pas de valeur, la décision qu'on prend. On ne sait pas s'en servir comme source d'enseignement. Si c'est un projet vraiment trop central à la société et qu'on est en train de faire un essai, entre guillemets, malgré tout, c'est pas bon non plus. Parce qu'on va... Là, pour le coup, on va vraiment pas se donner de marge de manœuvre et là non plus, on n'aura pas de vrai retour d'enseignement. Donc, il faut bien choisir le projet. Ok. J'essaie d'aller vite parce que je voudrais qu'on... Il y a du temps pour avoir pas mal de questions. Mais j'ai pas mal de slides, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez vu, j'avais un slide, une équipe. On commence avec une équipe. On est sur un département d'une cinquantaine de personnes. On va commencer avec une équipe de 6 à 8 personnes. Tiens, j'en profite, j'ouvre une parenthèse d'expérience. Si on parle d'agile, on va nous dire que c'est 7 personnes plus 2 moins 2, si je lis la Bible. Par expérience, j'ai beaucoup réduit ça maintenant. Maintenant, je dis que c'est 5 ou 7 grand maximum. Dès que je dépasse 7, j'ai des contraintes et j'ai des problèmes. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Mais 9, c'est déjà trop pour moi. Or, si je lis le dogme, 9, c'est OK. Là, on part à 8 et on en souffre un peu d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il faut appel à un externe. Très bien. C'est indispensable. Voilà, ça, c'est la troisième chose où j'ai une mission caviar, entre guillemets. Soutenu par le management, l'agile est soutenu par le management, j'ai du 109 et ils font appel à un externe. Ils le font bon gré mal gré, puisque finalement ça fait 6 mois qu'ils essayent de faire de l'agile et qu'ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la fameuse mémoire des muscles. On est habitué à faire quelque chose, mais quand on change, le muscle il revient où il était. On est habitué à faire quelque chose, moi j'étais le chef de projet, quand lui il me dit ça, ben je le fais, même si on est en train de jouer à l'agile. La mémoire des muscles, c'est trop dur d'aller à l'encontre. Vous avez besoin d'un externe pour vous ramener à chaque fois dans le droit chemin. D'accord ? L'externe, il peut se permettre de dire des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de dire. Moi, je comprends bien que quelqu'un n'ait pas envie d'envoyer balader son top manager parce qu'il vient déranger le sprint ou faire quelque chose qui est contraire à ce qu'on vient de dire. Ça fait peut-être 5 ans que vous êtes dans la boîte, j'étais confronté à des gens qui sont là des fois depuis 8-10 ans, ils ne vont pas s'amuser tout d'un coup à dire non parce qu'on s'est dit qu'on était agile. Peut-être que agile, c'est une berlue du management et dans 6 mois, c'est oublié, c'est fini. Donc je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de dire non, j'ai mon top manager qui vient, je reviens chasser naturel et je rentre au galop. Je me plie à ce qu'il dit. Bon, moi, externe, je m'en fous de prendre un coup de pied au cul et dégager, c'est le but du jeu. Ok ? Je suis là pour dire les choses en tout cas. S'il ne veut pas m'écouter, de toute façon, autant qu'il me sorte. Donc un externe, je suis désolé, mais c'est obligé. À chaque fois, on me dit, tu vends ta soupe, Pablo, ben, ouais, prenez-moi, prenez un autre, prenez qui vous voulez. Si vous ne prenez pas un externe, vous aurez énormément de problèmes. Ça peut toujours fonctionner, hein, il n'y a jamais de loi, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Donc je vous ai dit qu'il y avait un ou deux départements qui étaient très trop agiles, soutenus par ce management, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient contre. Surtout qu'on ne montre pas mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est ce truc qu'ils font à côté, ils jouent au cow-boy, ça va remettre en cause mes principes, bon, enfin, vous connaissez tous ça? Ok, non? D'accord, oui, non? Ok. Donc on a trois départements dans cette société, et le troisième qui est le plus gros, qui rapporte le plus d'argent,
Je regarde ça pas forcément d'un bon oeil, parce qu'on est en train de remettre en cause pas mal de choses, on est en train d'amener de la transparence, on est en train d'amener de la communication. C'est pas forcément ce que certaines personnes qui ont des habitudes autres apprécient. Et là, j'ai eu la réponse typique, la pire qu'on puisse avoir systématiquement, c'est « Non, nous, c'est pas nécessaire, on est déjà agi. » D'accord ? Donc ça, c'est le pire des réponses, parce que du coup, on peut pas les attraper. Et ça continue toujours aujourd'hui, quoi, entre autres. Quand on fait de la sensibilisation, on fait de l'adaptation, on fait de la sensibilisation, on fait de la communication, etc. À chaque fois, on va leur demander « Ok, vous entrez dans le cercle. » Non, non, ben non, nous, on sait déjà tout ça. Et on l'a adapté, naturellement. Donc il y a l'environnement qui est hostile, qui nous surveille. Je vous dis, si le projet échoue, il y a des managers qui risquent de se faire comme ça. Les autres risques, parce qu'environnement hostile, c'est le risque classique du chef de projet. Donc, celui-là, je le répète, c'est le très classique, on connaît bien. On est confronté à des gens dont le profil, qui est chef de projet ici. On est confronté à des gens dont le rôle est d'être bon fonctionnellement, c'est qu'on va vous demander de prioriser, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand, d'être bon techniquement, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire l'équipe, est-ce que c'est bien là, est-ce que c'est ok, d'être bon au management, de manager l'équipe. Okay. Et là tout d'un coup, avec Scrum, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est Scrum qui était fait là. Avec Scrum, ces trois rôles, on les split en trois personnes différentes. Et on a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont chefs de projet, mais ce qu'ils aiment, c'est la technique. Ils sont devenus chefs de projet pourquoi ? Pour augmenter leur salaire. Et ça, ils ont tout à fait raison. C'est louable, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le problème, ce qu'ils aiment, c'est la technique. Et là, ils disent, ben, je vais devenir chef de projet, je continue à faire ma technique, et en plus, je serai mieux payé. Et là, avec Agile, ben non. Il y a qu'il y a la technique qui est chef de projet, et malheureusement, les entreprises font trop le parallèle chef de projet Scrum Master. Il n'est plus dans son rôle, parce qu'on lui demande de tout faire, sauf de la technique. Donc, il est malheureux. D'un autre côté, si je lui dis, regarde la réalité en face, ce que t'aimes, c'est la technique. Donc, rentre dans l'équipe et réponds à la technique, fais ce que tu aimes. Et là, le problème, c'est que soit lui ne va pas apprécier, parce que ce qu'il aimait, il était chef, et là, on le mêle à l'équipe. Il y a un problème. Soit l'équipe va dire, mais lui, il est payé tant, et nous, on n'est pas payé tant, et regarde, on est au même niveau. Donc là, on a un vrai problème. Vrai problème, j'ai eu 4 propositions de démission, par exemple. Si on a un chef de projet qui aime beaucoup le fonctionnel, qu'est-ce qu'il devrait devenir ? Dans ce cas, il devrait devenir product owner. Ça vous parle, j'ai vu que la majorité, ça parle, donc il devrait devenir le responsable du besoin. Le problème, c'est que dans les organisations, c'est pas le chef de projet qui va devenir product owner, responsable du produit. Parce qu'on estime que c'est quand même un poste hiérarchique important, et les chefs de projet, il ne faut pas décoller. Ok, ils sont chefs de l'équipe, mais ça va, on va les calmer aussi. Hein. D'accord ? Donc on les place peu souvent product owner. C'est un rôle hiérarchique qu'on estime haut, et les organisations disent non, le chef de projet, il n'a pas le niveau encore. Ok ? Il y a un truc que je ne comprends pas, dans toute l'équipe dev, il y a toujours des développeurs qui sont plus expérimentés que d'autres, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Je garde toutes les questions pour la fin. Ça ne te demande pas Je l'exprime ou je l'exprime après. Et c'est toi qui es le premier, tu viens de gagner la carte d'entrée. Il n'y a pas de souci. Je continue et après on revient dessus. D'accord. Troisième cas de figure, le chef de projet qui aime le management. Là, ok, ça va bien. Mais vous voyez, il y a 1 sur 3 qui finalement est bien adapté dès le départ à devenir Scrum Master. Le problème, c'est que là, moi, si je nomme pas le chef de projet Scrum Master, la mission, elle ne dure pas. Je m'en fous. Enfin, c'est pas pour faire durer la mission que je fais ça et que je dis ok, admettons, prenons les project leaders et mettons le Scrum Master. Au moins pour essayer. D'accord ? Donc là, si je ne le fais pas, la mission s'arrête. C'est un vrai problème. Donc je vous dis, j'ai eu 4 propositions de démission. Petite parenthèse, donc c'était surtout de la provoque, des gars. Enfin, les deux qui m'en ont parlé officiellement, c'était surtout de la provoque. Les deux autres, j'en ai pas entendu parler, donc c'était peut-être sérieux. Petite parenthèse, j'ai les RH qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, mais attention, un chef de projet, au milieu d'année, on lui dit devient Scrum Master, il démissionne, il va au Freedom, il gagne. Parce qu'on change complètement sa feuille de route. D'accord ? Je ferme la parenthèse. La parade des RH de l'entreprise dont je vous parle,
ça a été d'organiser une sorte de petit déjeuner qui permet de dire, bon, ok, vous êtes toujours Project Leader, mais dans ce cadre-là, vous allez devenir Scrum Master, mais c'est deux choses différentes et de façon transverse, vous êtes Project Leader, mais là, vous êtes Scrum Master. Les quatre démissions, c'est les quatre chefs de projet ? Pardon ? Les quatre chefs de projet ? Aucun n'a démissionné. Les quatre et tentatives de démission, c'était non, 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 c'est même pas une tentative de démission, c'était une tentative de... C'est, tu racontes quoi, okay. D'intimidation. Des deux chefs de projet qui n'étaient pas satisfaits de... Oui, ont changé leur point de route. Ont changé leur point de route. Bon, malgré tout ça, donc on passe 3 à 4 mois à valider que ça se passe bien Scrum, et qu'on travaille donc sur ce projet et ça avance. Donc, des succès que vous allez toujours avoir, ceux qui ont déjà fait l'agile ou ceux qui vont le faire. La collaboration, moi, ça marche quasiment tout le temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Encore le coup de casser les silos, de motiver tout le monde en mélangeant différents types de profils, rassurez-vous, je l'ai rarement vu échouer. Donc au moins vous aurez ce bénéfice-là. Effectivement, comme il y a des responsabilités qui sont très différentes, comme on investit les gens, comme il y a la fameuse auto-organisation, etc., etc., la motivation aussi, ça marche à peu près, donc cette mission et pas mal d'autres, ça marche à peu près tout le temps, la motivation. D'accord ? C'est assez classique, mais ça marche bien. Là, j'ai quand même mis Rocky pour vous rappeler une chose, c'est que le timer, tu m'as oublié le premier, non ? Ah non, c'est maintenant. Okay. Autant pour moi. J'ai 58. Ouais. La motivation, j'ai mis Rocky pourquoi ? Parce qu'ils sont motivés, les gens, mais ils ont souffert. Ça, c'est un signe. Si vraiment vous passez en mode agile, entre guillemets, hein, c'est toujours difficile maintenant d'envoyer le mot agile, c'est tellement pas faire la crème, mais bon. Si vous passez en mode agile, si votre équipe n'a pas un sentiment de rigueur et d'effort, c'est probablement que vous ne le faites pas vraiment. D'accord ? Le coup de ces sous, qu'on peut changer tout le temps, ça c'est banal, l'application, on s'en fout. Il y a vraiment un sentiment de rigueur et d'effort. On place les gens dans des sprints. Ceux qui ont joué tout à l'heure au Sky Castle Game, ou ceux qui ont joué au Pizza, ou ceux qui ont fait des jeux agiles, vous voyez le rythme, vous voyez, on est pris dedans. Il y a même, moi je dis même qu'il y a un petit tunnel dans le sprint. Tout d'un coup, vous avez une équipe. Une équipe Scrum, vous la faites bosser pendant 6 mois, à la fin vous lui dites, bon, ben, là pendant un mois, vous faites de l'innovation, vous faites autre chose, et c'est comme des poules. Il y a des... Attends, je comprends pas, là j'ai pas mon sprint planning, j'ai pas mes tâches tous les jours, j'ai pas mon truc. Donc il y a presque un effet comme ça, et un sentiment vraiment de rigueur et d'effort. Naturellement, l'engagement, il y a une présentation que j'ai trouvé très intéressante au Scrum, j'y étais pas, je l'ai vu en vidéo, je vous recommande d'aller la voir, c'est de Thierry Montulé, c'est pour ça que je parlais de Thierry, j'ai de la paix en tête là. Qui nous parle de manipulation, de psychologie sociale, c'est très intéressant d'aller le voir. Et effectivement, l'engagement des gens, ben, je suis désolé, l'engagement il est très différent, et donc du coup il s'arrache beaucoup plus. Donc il y a vraiment rigueur, effort, deadline, il n'aime pas les deadlines, on est dans Scrum, donc c'est une rigueur pour le design, il n'aime pas. Donc ils sont très motivés parce qu'ils sont responsabilisés, mais ils sont effectivement dans le fameux sprint au lieu d'être dans l'itération. C'est une chose à laquelle il faut rapidement faire attention, sortir du sprint pour revenir dans l'itération. Sous-entendu pour avoir quelque chose qui est soutenable à long terme. Troisième succès, c'est la qualité. Comment je la mesure ? Comment je la mesure, la qualité ? Il y a un thread assez rigolo en ce moment, il n'est pas là, Xavier ? Non. Il y a un thread assez rigolo en ce moment sur la mailing list French Scrum User Group, sur les indicateurs. Bon, moi je ne suis pas capable de la mesurer en fait. Je n'ai pas trouvé d'indicateur qui me permette de dire. Ok, la qualité, elle est là. Surtout pas dans le projet. À la limite, je pourrais peut-être la mesurer aujourd'hui, avec 12 mois ou 16 mois de recul, je pourrais dire, ok, le taux de bug, pourquoi pas. Ça, c'est un indicateur qui peut fonctionner, mais je ne l'ai pas forcément dans l'immédiat, parce qu'avant, je n'avais pas forcément d'intégration continue, parce qu'avant, je n'avais pas forcément de bons chiffres sur mes bugs, pour plein de bonnes raisons. Alors, je pense qu'il y a vraiment eu un succès qualité, parce que je l'ai mis. Ça reste un ressenti. Et moi, je suis assez OK pour les ressentis. Ça me va bien, un ressenti. Vous savez très bien, quand vous bossez, c'est plus de qualité ou moins de qualité. On voit bien régulièrement que ce qu'on délivre marche beaucoup mieux. On voit bien qu'on a moins d'efforts sur certaines choses. D'accord ? Qualité, ça ne s'arrête pas qu'au code. Hein. Naturellement, on dit toujours, on agit, on atteint une meilleure cible, puisqu'on fait l'itératif, on atteint une meilleure cible. C'est aussi très ressenti comme ça, par les gens du métier. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tout le temps. Ça et ça,
devrait se passer régulièrement. Donc on a des succès. Motivation, collaboration, qualité. Donc ok, on ouvre à tout le département. Donc on commence à faire 3-4 équipes Scrum et un Kanban. Ouvrir à tout le département, on commence à poser d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous faites Scrum, finalement les gens ils s'intéressent qu'aux pratiques. Et hors l'agilité, ok, c'est des pratiques, mais c'est avant toute chose des valeurs et des principes. D'accord, je ne veux pas tomber dans le côté des humours, mais c'est quand même des choses sur lesquelles on peut se raccrocher, qui sont beaucoup plus importantes que les pratiques. Un agiliste, il va toujours vous dire, peu importe la pratique, si tu respectes la valeur ou les principes derrière, ça me va. On peut très bien faire inspection, transparence, adaptation, peu importe comment vous faites du Scrum. D'ailleurs, les pratiques de Scrum, elles évoluent. Il n'empêche que pour démarrer dans ce genre de choses, on applique les pratiques de Scrum. Très bien, elles ont quand même beaucoup d'années d'expérience derrière elles, et ça permet de s'appuyer sur quelque chose de très concret, ça permet de commencer à faire tourner la machine, et là, on peut commencer à prendre du recul et à s'interroger sur les principes et les pratiques. Et moi, j'ai rien contre le fait que l'on commence par des pratiques sans trop se poser de questions sur les valeurs ou les principes, c'est juste le bon point d'entrée, surtout au niveau d'une équipe. Là, on commence à reculer au niveau du département, on va plus s'interroger sur les principes, et en gros, quand on va reculer au niveau de l'organisation, c'est plus les pratiques qui vont compter, c'est vraiment l'alignement sur les valeurs. D'accord ? Ça va être mon discours, ça. Commencer par les pratiques au niveau de l'équipe, mais après, il va falloir prendre du recul pour que ce soit durable. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du département ? Qu'est-ce que ça amène d'avoir introduit Agile ou Scrum là-dedans ? Ça amène une première chose qui est, on arrête le mensonge sur on peut fournir un scope à une date donnée avec un coût. On arrête le mensonge du forfait. Allez, ça y est, c'est officiel. Tout ça, c'est un mensonge. Vraiment. Donc, si vous voulez une parenthèse sur les contrats, tout le monde raffole de ça. Moi, j'ai une réponse très rapide. Dès que vous êtes en forfait, vous n'êtes pas agile. Tous les contrats agiles, c'est de la commode. Okay ? Le seul truc, c'est la régie. Voilà. Il y a des ultras. D'accord ? Donc, toutes les questions sur le contrat agile, oubliez. Surtout que alors là, je suis dans le cadre d'un éditeur, donc je n'ai pas de problématique de contrat, mais je réponds quand même à ça. Surtout que fondamentalement, c'est un engagement de confiance quand on réussit à sortir de ça. Je ne suis pas comme les ultras là-bas. Naturellement, il faut peut-être commander des fois, vous allez peut-être avoir un démarrage où on va être obligé de se mettre d'accord et le temps que la confiance s'installe. Mais bon. Globalement, on arrête de dire le mensonge, date, scope, coût. Donc ça se transforme en quoi généralement chez un éditeur? Ça se transforme en driven development. On dit voilà, notre date c'est ça. Et là-dessus, quel scope on va pouvoir faire? Pourquoi je vous mets cette image de mon petit piton sacré grave? Vous la voyez peut-être à peine. C'est que grosso modo, les product owners disaient putain, on va être encore obligé de se couper un bras. On va être encore obligé de se couper une jambe. Ouais. Ok, retour dans la réalité, la date ne bouge pas. D'un autre côté, on a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit mais vous avez respecté la date. C'est un peu ubuesque hein, quand quelqu'un vous dit mais vous avez respecté la date. Un peu ubuesque. Mais bon. Donc, on reste sur le scope et on fait du data-driven development. Dans ce cadre-là, hein, on pourrait envisager autre chose, mais c'est souvent le cas. Autre chose qui se passe quand on fait agile, c'est que les problèmes émergent. Très bien. On a des pratiques en place qui sont ordonnées, qui fonctionnent bien, et tout d'un coup, on passe dans le mode agile et on bascule l'entreprise ou les équipes dans un mode non prédictible. On avait des pratiques qui fonctionnaient bien, mais on est en train de bouger les choses. On passe dans un mode non prédictible. Et de ce mode non prédictible, on va refaire émerger les pratiques. Dans le sens, vous n'allez pas appliquer Scrum exactement à la lettre. Probablement pas. Vous allez essayer au début, et vous allez voir l'écart. Ok. Oui, mais là, chez nous, il faut qu'on change peut-être un peu ça. À Paris, on ne va pas faire les daily Scrum à 9h le matin. Je suis de Montpellier, hein, mais je suis souvent mission à Paris. À Paris, on ne va pas faire les daily Scrum à 9h le matin. Donc, est-ce qu'on peut faire les daily Scrum à 18h? C'est le seul moment où tout le monde est là? Oui, on fait à 18h, il n'y a pas de problème. Enfin, on va changer des choses et on va faire réémerger. On va mettre l'entreprise dans un mode un peu déséquilibré. C'est pour ça que c'est dangereux de faire une transition agile. N'y allez pas en apprenti sorcier. On a des pratiques, on les casse, on fait de l'agile, on refait émerger des choses. Si vous y allez en apprenti sorcier et que vous plantez, vous allez mettre l'entreprise en mode chaotique et même plus s'en sortir. Mais c'est là que vient la richesse aussi. On est obligé de la mettre dans un mode un peu imprédictible et de revoir ce qui émerge comme bonne pratique. Quand elles seront un peu
stabilisées, elles repasseront dans le domaine ordonné. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, on va pouvoir le répondre à toute l'organisation. Parce que si on n'est que dans « tiens, qu'est-ce qui va émerger ?», on ne peut pas le répondre à toute l'organisation. Mais c'est très utile. Si vous avez un peu la théorie des contraintes de Dvorak en tête, le bon moyen d'optimiser un process, une organisation, c'est de gérer les freins. Donc très bien, les problèmes, c'est une super nouvelle. On va pouvoir les embrasser, on va pouvoir les résoudre. Pas qu'il y en ait trop à la fois. Alors, attention, donc il faut adapter la transition pour pas qu'on ait trop de problèmes qui nous exposent à la figure à la fois. Mais c'est très bien, on va les résoudre. Qu'est-ce que c'est les deux plus gros problèmes que j'ai pu croiser dans toute cette phase-là? La première, c'est... Eh bien, on demande aux gens, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? La fameuse vision. Ben, on découvre qu'il n'y en a pas, des fois. On découvre qu'on ne sait pas où on veut aller. On découvre qu'on ne sait pas ce que l'on veut faire. Alors là, vous allez beau avoir des bonnes pratiques en place, vous allez beau avoir tout ce que vous voulez qui marche très bien. Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, c'est foutu. D'accord? J'insiste sur le fait de raconter une histoire. On parle de vision, on parle de roadmap, on parle de planning release. Il peut y avoir plein de petits dérivés avec des sens un peu différents. Moi, pour moi, ce qui émerge vraiment, qui est important, c'est le fait de raconter une histoire. Il faut qu'on puisse dire, oui, voilà, notre société, son objectif, c'est de faire ça de façon simple. On doit pouvoir raconter facilement qu'est-ce que doit faire la société. On doit pouvoir raconter l'histoire. Okay ? J'ai eu des départements. J'ai eu un département qui, pendant 2 mois, n'a pas su. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, ça patine dans la semoule, quelle que soit la bonne volonté des gens derrière. Okay ? Gros problème émergent. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire et où était la valeur que l'on voulait développer. Deuxième problème qui est apparu, on a fait un Kanban pour la carrière maintenant, ce qui est assez courant. Kanban, ça parle aux gens un peu ou pas? Oui. Ça parle bien aux gens. C'est Donc on a fait un Kanban pour la carrière maintenant, et il a complètement échoué ce Kanban. Complètement échoué. Pourri! Raté! Fail! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, il y a une énorme dette technique. Et vraiment, vraiment, aller chercher un truc sur le Kanban pour se l'attribuer, c'était trop. On mettait, le gars, il mettait la main dans un... Il disait, non mais attends, si je prends ce bug, le Kanban, vous allez... Merci. C'est une poule, vous allez prendre. Si je prends ce bug, il va me suivre pendant 3 mois. Je vais devoir déployer 4 plateformes pour essayer de résoudre ce petit truc de merde. Ça me fait trop chier. La souffrance était trop énorme. Donc, non, je ne veux pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, non, nous, on veut qu'on nous attribue les bugs. On refuse d'aller les chercher. C'est trop douloureux. On veut qu'on nous les attribue. D'accord? Qu'est-ce que ça soulève comme problème? Ça soulève un problème de fond, un peu plus de fond. C'est pour ça que je reviens à la question des pratiques, des principes et des valeurs. Vous vous rappelez ce film? C'est quoi ce film? C'est Little Big Man. C'est quoi? C'est un jeune enfant qui a la famille, qui est une famille de pionniers dans l'Ouest américain, qui se fait tuer complètement par des Sioux, et il y a des Apaches, ouais, je peux faire des Apaches, mais des Sioux, il y a des Apaches qui viennent et qui le récupèrent et qui l'éduquent. Et il est là, et à un moment, il y a une très belle scène, j'aime beaucoup ce film, je suis désolé, il m'a beaucoup marqué. Il saute sur un collet et il dit, mais je jouais à l'Indien, je jouais à l'Indien. Non, je ne joue pas à l'Indien, je suis Indien. C'est une grosse différence, c'est faire de l'agile ou être agile. Et là, si vous voulez, pour moi, cet échec de Kanban montre que les pratiques, on est d'accord pour les avoir, mais l'état d'esprit, il y avait encore beaucoup de résistance, et ce n'était pas ça. L'état d'esprit, ça aurait été de se dire, comment est-ce qu'on prend le problème, comment est-ce qu'on le change? Comment est-ce qu'on communique aux gens? Qu'est-ce qu'on change dans le système? Comment est-ce qu'on change les choses? Comment est-ce qu'on améliore les choses? Or là, c'était tout de suite, dans cette pratique-là, elle est trop dure pour nous, on repasse à l'ancienne pratique. Ce n'est pas anodin. Si on est en train de bâtir une transition à l'agilité juste sur les pratiques et pas sur être agile, l'esprit agile, on va échouer. On va se retrouver avec des murs comme ça régulièrement et ça ne va servir à rien. On va échouer. Malgré tout, ça a continué à bien fonctionner dans l'ensemble. Je vous cite 2 problèmes. Donc, ces problèmes, c'est bien, ça fait émerger les choses. Le fait de ne pas savoir, je reviens à la question de raconter une histoire, le fait de ne pas savoir ce que l'on veut créer comme valeur, c'est très utile. Enfin, heureusement qu'on l'a su vite, on a pu rectifier, on a pu travailler dessus. Donc,
très positif le problème. Le Kanban, ben, finalement, c'est pas bien parce qu'on a, on a vu que les gens suivaient les pratiques mais n'avaient pas encore l'état d'esprit. En anglais, ils vont beaucoup dire le mindset, agir, l'état d'esprit, mais au moins, on a pu se rendre compte et on a pu travailler dessus. Pour info, du coup, on a intégré les bugs, dans le... enfin, non, on s'en fout, on va perdre du temps si vous écoutez. Ok, donc qu'est-ce qu'on se demande à la fin? Ben, à la fin, quand tu as tout le département en agile, naturellement, il y a, là pour le coup, il y a le top, top, top management qui commence à s'y intéresser et qui pose la fameuse question des ROI, je reviens aux indicateurs. D'accord? Je répète ce que j'ai dit la dernière fois, oui, le ROI, on a eu de la qualité, c'est un ressenti, voilà, pas plus. On dit toujours l'agile c'est plus productif, non c'est faux, c'est pour ça que j'ai même pas d'interrogation. L'agile c'est pas plus productif. Moi, de mon expérience, agile n'est pas plus productif. Par contre, la cible est meilleure. Donc, on a un sentiment de meilleure productivité. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne produit pas plus. Les équipes sont toujours aussi performantes ou pas performantes qu'avant. Mais la cible est meilleure. Elle est mieux atteinte. Donc, on a un sentiment de productivité. Non. C'est un sentiment de qualité dans la réponse, de qualité dans le code. Donc, ça reste un ressenti. Je n'ai pas d'indicateur à vous délivrer pour ça. Le seul indicateur que je communique vraiment au top, top, top management, là j'ai une user-centrique, mais en fait c'est le turnover. Le seul indicateur qui pour moi commence rapidement à faire foi, c'est tu as quoi comme indicateur pour nous dire que l'agile c'était bien? Le taux de turnover, il est comment? Il a baissé, il a augmenté. Donc là, il avait drastiquement baissé. Deuxième chose, on a pu retenir des profils qui étaient stratégiques pour l'entreprise, parce que les conditions de travail changeaient. On a pu attirer des profils qui sont devenus stratégiques pour l'entreprise parce que les conditions de travail changeaient. D'accord? Aujourd'hui, je ne peux plus parler de cet indicateur-là parce que l'entreprise a été rachetée. Ils sont en train de racheter le concurrent numéro 1. Ils sont en train de faire une fusion. Donc, du coup, il y a plein de départs pour d'autres raisons. Mais le seul indicateur que j'utilise habituellement en agile, c'est le turnover RH. Les bénéfices. Donc c'est le changement est possible, c'est bien évident à tout le monde, je continue. La visibilité et le pilotage. Je reviens encore sur les indicateurs. Les indicateurs qui sont dangereux, c'est les indicateurs qui sont... Il en faut quand même, hein. C'est une vraie problématique agile ça. Il en faut. Il faut qu'on dirige l'entreprise avec des indicateurs. Pas déconner, on n'est pas juste comme ça dans le vide. Donc il en faut. C'est compliqué. Donc les indicateurs qu'on va utiliser, c'est quelle est la roadmap que l'on a, qu'est-ce qu'on va pouvoir délivrer, à quel moment, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a pris du retard, quel est le taux RH, donc tout ça c'est des indicateurs qu'on va utiliser, mais si vous voulez, ce n'est pas des indicateurs chiffrés facilement. Ce n'est pas un indicateur comme le taux de ça, le taux de ça, le taux de ça, parce que vous savez que dès qu'on met des indicateurs chiffrés, les gens poursuivent l'indicateur au lieu de poursuivre le vrai but. Donc naturellement, j'espère que je ne me suis pas compliqué comprendre là-dessus, il y a plein d'indicateurs, mais ils ne sont pas chiffrés facilement, et il faut travailler dessus. Surtout les questions de roadmap. Où on en était, quelles sont les grandes features que l'on veut développer, à quelle date, est-ce qu'on a réussi à délivrer ça dans le temps. Les bugs, ça vient comme indicateur, mais rappelez-vous l'inertie de cette société avec des produits très longs, avec des déploiements très longs, on a des indicateurs qui viennent tardivement. Par contre, sur le projet, on a des indicateurs. Le fameux burn down, c'est un très bon indicateur. Un indicateur qui plaît beaucoup au management parce qu'on arrive, on le lit. Comme ça, d'un coup. Donc très bien. Ce qui est très agréable en agile, c'est qu'on n'en a pas 32, 40 ou 50 indicateurs. On en a 2, 3, 4. Est-ce qu'on a délivré ça? Enfin, donc, dont le fameux abandon. Donc on peut vraiment jouer dessus. Et ça, ça a beaucoup... Les équipes ont beaucoup apprécié. Tiens, on a pris du retard là-dessus. Ok, ben, on change. Il y a 2, 3 indicateurs. Et ça nous permet de jouer dessus. Plutôt que d'avoir un tableau avec 40 choses, et si je change ça, je ne sais pas ce qui se passe là. Donc j'ai 2, 3 indicateurs. Si je joue dessus... J'ai tout de suite un effet derrière. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la date, elle est respectée. Très bien. C'est assez rare pour être noté. Pour eux. Le fail fast. On a pu arrêter 2-3 projets qui allaient dans le mur. On l'a vu tout de suite. Surtout des questions de dépendance entre équipes. On a une équipe qui démarre quelque chose, et en fait, elle va être cliente d'une autre équipe, et cette autre équipe, personne n'a prévenu qu'il fallait démarrer quelque chose. Enfin, personne n'a prévenu que la première équipe attendait le résultat de son projet. Donc en fait, on aurait pu travailler dans le vide,
Et à la fin, se rendre compte, ah, oui, mais tout ce qu'on a développé ne sert à rien, parce que si vous voulez, entre le front et le back-office, le front se lançait sur des choses et on découvrait que le back-office, de toute façon, ne travaillait pas dessus. Donc le front n'aurait pas pu brancher dessus. Donc le fail fast, il est important. Il y a 2-3 projets qu'on a arrêtés très tôt, donc on a gagné beaucoup d'argent là-dessus, parce qu'on a eu de la visibilité très tôt dessus. Parce qu'on ne s'est pas lancé dans une phase en cycle en V. On aurait pu écrire des spécifications pendant 6 mois, puis commencer à développer, et au moment du développement, on se serait rendu compte que... Attends, on va attaquer par le plus important tout de suite. Tiens, on a besoin de cette donnée. Merde, mais cette donnée, on ne l'a pas. Merde. Okay, donc on arrête des projets assez tôt. On fait le fast. Quand je fais des avant-ventes pour des amis qui veulent l'utiliser, je leur dis, il y a toujours un super truc, c'est le fail fast. Au moins, on démarre et on verra vite. Si ça ne marche pas, on le verra tout de suite et c'est super. Ils ne veulent jamais qu'on en parle parce que c'est très négatif. Ouais, on va échouer. On va échouer, c'est super. Non, ça va d'autres, je ne dis pas. Au contraire, c'est très bien. Très bien. Donc, on a une équipe pendant 3 mois, on a un département pendant 6-9 mois de plus. Et après, on se dit, bon, ok, ça marche. Ça marche au niveau de l'équipe, ça marche au niveau de tout le département. On a 2 autres départements, on en fait un officiellement et le deuxième, c'est, vous savez, le deuxième, c'est celui qui est déjà agile. Je ne dis pas la peine, je suis déjà agile. Mais on le répand du moins au fil, on le répand à l'ensemble de l'organisation. Qu'est-ce que ça implique? Ça soulève de nouvelles questions. Donc là, on n'est plus au niveau des pratiques, mais au niveau des principes et surtout des valeurs. On a besoin d'un alignement, ce qui va être... très important, ça va être l'alignement, que tout le monde dise la même chose, que tout le monde comprenne la même chose. Donc je vous dis, là j'ai des soucis. Les gens qui disent je suis déjà agile, ils ne font absolument pas la même chose que nous. Sous-entendu les 2 autres départements. On a un vrai problème. Quand je discute de ça avec la direction, habituellement, l'agile c'est du produit du changement. Je dis souvent ADAPT. Acronyme, ça fait consultant, c'est anglais en plus. Awareness, sensibilisation. Vous voulez passer à l'agile, d'abord, awareness, que tout le monde sache de quoi on parle. Tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Desire. Maintenant que tout le monde sait de quoi on parle et tout le monde met la même chose derrière les mêmes mots, est-ce que vous avez toujours envie d'y aller? Ability. On va traduire avec capacité. Ben, en fonction de comment est l'entreprise, là il y a du offshore, il y a donc une grosse dette technique, etc., etc. Comment est-ce qu'on va faire pour faire la transition? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise capacité. C'est juste, il faut s'adapter à la capacité de l'entreprise. Je vous ai parlé de Salesforce tout à l'heure, qui en 4 mois ou 6 mois, ont passé tout agile avec 40 coachs. Bon, déjà, ils avaient l'argent. De toute façon, c'était vital pour eux pour s'en sortir. C'était en 2008. Et puis après, c'est transfert et promotion. Et c'est important aussi. C'est que vous êtes externe, vous êtes en train de conduire cette transition. Mais il faut à tout prix que vous ne restiez pas indispensable à l'entreprise. Donc, il faut beaucoup de transferts et beaucoup de promotions en interne. Aujourd'hui, là-dessus, j'échoue. Pourquoi, on verra après. En tout cas, il faut un alignement. Il faut que tout le monde se dise pourquoi on veut faire de l'agile, pour aller vers quoi, que tout le monde ait la même chose derrière les mêmes mots. S'il n'y a pas cet alignement, on fait émerger plein de problèmes. Merci. Plein de problèmes régulièrement de type... on a des gens qui se disent c'est comme ça, puis d'un coup ils changent d'équipe, ça se fait différemment, ils ne comprennent pas. On a des alignements de planning release, de roadmap qui ne fonctionnent pas, etc., etc., etc. Donc alignement et transparence, que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, on arrive au niveau des valeurs, on n'est plus dans la pratique. Donc, les problématiques d'organisation, ce ne sont plus des problématiques de pratique, ce sont des problématiques de valeurs. Alors là on ne voit rien, normalement c'est le bébé de Toys R Us. Qu'est-ce que je veux soulever maintenant? Et finalement, c'est surtout ça la deuxième partie de ces vidéos. Ce que je veux soulever maintenant, c'est que quand une transition agile, ça se fait, il n'y a pas de problème, heureusement. Il n'y a pas de problème. Ne sous-estimez pas les problématiques de durabilité. Faire la transition, amener les gens à l'agile, c'est une chose. Faire durer l'agile, c'est une autre chose. On dit toujours, agile is fragile. C'est vrai. Agile est fragile. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une amélioration continue régulière. Quelque chose que vous avez mis en place ne va pas durer si les valeurs ne sont pas comprises. Je reviens aux valeurs. La question du Kanban qui a échoué parce que les gens faisaient des pratiques sans s'accrocher aux valeurs, là on a un problème de durabilité. L'entreprise qui ne dit pas la même chose selon les départements, là on a un problème de durabilité. Donc c'est
une problématique fondamentale de l'agile, c'est la durabilité. Je vais essayer de l'illustrer. Je vais essayer d'illustrer par 2-3 slides pour finir. Donc, mon discours, c'est de dire la durabilité est faisable si les gens ont été jusqu'aux valeurs et ne sont pas restreints aux pratiques. Que naturellement, votre transition va démarrer par des pratiques, parce que c'est très concret et c'est très une bonne façon de démarrer, de s'accrocher dessus. Je ne peux pas arriver dans une entreprise et dire à l'entreprise, alors, ce qui compte, c'est la transparence, bien sûr. Donc, demain, on va faire de la transparence. Non, je ne peux pas. Ce qui compte, c'est l'inspection. Donc, demain, on va faire de l'inspection ou de l'adaptation. Je ne peux pas. Par contre, arriver de dire, OK, ben demain, on fait des sprints de 3 semaines. On va avoir à la fin des reviews, donc vous allez voir des choses. Ça va être concret. On va mettre des deadlines. On va prioriser par valeur. OK, donc faites-moi un backlog. Faites-moi ça. Très bien. Là, ça fonctionne. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça si vous voulez que votre entreprise reste, demeure et progresse en agile. Il faut qu'à un moment après ça, émerge une... que les gens aillent vers les valeurs et se retrouvent en elles. Compromis. C'est quoi mes compromis? Ben, je les ai abordés. Je vais faire des compromis. Au début, je vous ai dit que les chefs de projet, les project leaders étaient devenus Scrum Master. Aujourd'hui, je le paye toujours. Comme si j'avais un truc dans le pied comme ça. Okay, je le paye toujours parce que la grande majorité des Scrum Master n'ont pas adhéré aux valeurs. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Donc là, c'est le côté négatif de la mission, parce que au niveau du top management, il n'y a pas eu, rien que le fait de laisser ce troisième département dire nous, on est déjà agile, peu importe, il n'y a pas eu d'adhésion globale de l'entreprise. Donc les compromis que vous avez au début, attention, je vous alerte, vous en faites ce que vous voulez, ils vont revenir, ils vont vous ressauter la figure. Donc c'est surtout dans l'affectation des rôles, des product owners, des scrum masters, la notion de donne. Très difficile. On parle toujours de Toyota. Donc, il y a un truc très rigolo, j'ai lu il n'y a pas très longtemps de Taichi Ono. Ça, les Ultra. Ok. j'ai lu un truc lui, qui m'a vachement surpris, mais finalement qui est très vrai. Il dit ne demandons pas des choses trop difficiles aux gens, demandez des choses juste un peu plus dures pour eux. Sinon, le mur est trop haut. D'accord. Donc la notion de donne, c'est toujours très compliqué. Ça parle à tout le monde la notion de donne, le fini. C'est très compliqué. Donc on l'a lâché au début, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il faut rester vivant, il faut avoir un espoir que cette mission fasse grossir, que les gens attrapent les valeurs et qu'après ça change, ce qui n'est pas gagné. Donc on a fait des sacrifices au début, et à la fin on va le payer, ou pas. Il y a toujours un grand débat Scrum XP. Je pense que ça c'est une des forces de Scrum justement. C'est d'arriver et d'avoir des choses relativement simples. Je vous ai parlé de la review, de la rétrospective, de l'itération d'année. Bon, okay. Les gars XP, vous voyez, il y a déjà tout ça dans l'XP. Comme c'est mal exprimé, on le perçoit pas. Par contre, arriver et dire aux gens, vous allez faire du TDD, c'est l'autre paire de manches. J'ai pas la peine de motiver quelqu'un pour faire un sprint. S'il y a vraiment une adéquation avec le manager, comme je vous l'ai dit, on aligne l'équipe, ok les gars, maintenant on fait un sprint et toutes les 3 semaines, on délivre quelque chose. Et par contre, dire, bon, maintenant vous faites du TDD, c'est l'autre paire de manches, c'est autre chose. Ok, ou là maintenant vous faites du refactoring, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une difficulté. Oui, XP, ça peut être un signe comme quoi justement les valeurs ont été acquises. Et c'est aussi la force de Scrum, c'est facile de démarrer quoi. Donc, on va des pratiques vers les valeurs et le fait d'avoir du Scrum et du XP, naturellement quand je dis Scrum, j'essaie toujours d'être le XP dedans. C'est des compromis qui sont durs. Au début, là, dans ce cadre-là, je n'ai pas forcé sur le côté XP. Parce que quoi, si j'avais forcé, j'aurais pris un mur tout de suite. Ketchover, il dit vaut mieux un Scrum Master vivant que mort. Voilà, mon but, c'est pas faire durer la mission pour me faire de l'argent. Hein. Mon but, c'est de faire durer la mission pour essayer d'amener, vous savez, c'est un parcours. La journée, c'est pas la destination qui compte, c'est le parcours, c'est pour amener les gens vers ces valeurs. Donc, il faut faire des compromis, mais attention, vous allez les payer à la fin si vous ne réussissez pas. Apporter les valeurs avec vous. Une chose très importante pour aider tout ça, c'est le parcours RH. C'est souvent délaissé dans toutes les entreprises. Je vous ai parlé du problème du chef de projet. Et en plus, le chef de projet, quand il devient Scrum Master, il n'oublie pas qu'il est chef de projet souvent, malheureusement. Pourquoi il ne l'oublie pas?
Parce que c'est peut-être une lubie du management, effectivement, pendant 6 mois. Et peut-être qu'on va y 6 mois et qu'on va arrêter. Donc il ne peut pas mettre en péril sa carrière. Et je le comprends. Et quand on demande. Alors, même sujet, quand on demande des coachs agiles, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas dire « Oh, c'est moi !» Oui, mais je reste l'autre poste aussi. Et je peux faire les deux à la fois. Ça, c'est très, très grand classique. Je peux faire les deux à la fois. Je peux être PMO et coach agile. Non, tu ne peux pas. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas l'imposer aux gens s'il n'y a pas un parcours RH. Le parcours RH, c'est un signe fort de la direction qui sont vraiment en adéquation avec les valeurs. Un parcours RH qui dit, voilà, par exemple, tu es développeur, tu es expert fonctionnel, et après, ben, soit tu deviens product owner, soit tu deviens expert technique. En France, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de branche dans les parcours RH qui disent, toi, tu es un super techo si tu vas être payé vachement, parce que tu es un super techo si tu comptes énormément pour la boîte. Mais bon. Donc, je suis techo, soit je peux devenir ça, soit je suis fonctionnel, je peux devenir product owner. Et j'ai un parcours qui dit, ouais, mais sinon je peux devenir Scrum Master, et après je peux devenir coach agile, et il y a une grille de salaire, etc. C'est fondamental pour une entreprise d'avoir un parcours RH pour qu'il y ait l'implication des gens, pour que ça fonctionne mieux. Si vous ne l'avez pas, les gens vont toujours avoir de la résistance vis-à-vis de l'agile. De mon expérience, on va rajouter ça systématiquement à la fin de toutes les phrases. D'accord ? Je vous remercie. Donc je vous parle d'un département qui résiste. Oh non, pardon. Déjà agile avant que j'arrive et qui le fait mieux. Que j'arrive ou que d'autres arrivent, on essaie de bouger les deux départements. Et donc il y a un problème constant en ce moment sur la durabilité. Enfin, il faut que tout le monde parle des valeurs. Je vous parle de valeurs et d'alignement. C'est fondamental que toute l'entreprise fonctionne de la même façon. S'il y a un morceau d'entreprise qui n'est pas agile, un morceau qui est agile, il faut vous assurer que c'est le morceau agile qui va voler en éclat. Parce qu'agile est fragile. Parce qu'agile, c'est l'amélioration continue. Donc c'est dur de remettre les choses en question. C'est beaucoup plus éprouvant de se poser des questions systématiquement. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait revoir? J'ai fait beaucoup de CMMI. Et je peux vous assurer que quand on a mis en place CMMI dans une entreprise et que ça marche bien, c'est très facile. Tout le monde rentre dans la case, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de complications à le faire durer. Agile, c'est une autre paire de manches. Une entreprise bicéphale, ce que j'appelle l'entreprise bicéphale, c'est d'un côté, elle va gâcher agile, de l'autre côté, elle va faire autre chose. C'est voué à l'échec. Il va y avoir des problèmes de synchro entre les équipes. Il va y avoir des problèmes de roadmap. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être un jour chef de projet et le lendemain d'être Scrum Master. L'approche philosophique, elle n'a rien à voir. Donc, ça va être une grosse source de problèmes et à la fin, c'est l'agile qui va perdre. Peut-être tant mieux, peut-être pas tant mieux. Sachez-le. Donc finalement, la grande question qui... pour finir, hein, c'est dans mes derniers slides. Hein, la grande question qui me tracasse, moi, là-dedans, dans tout ça, c'est... Je reviens toujours à cette question de Kanban qui a échoué, peu importe Kanban, mais la question de... À partir de quand quelqu'un passe des pratiques à l'acquisition de « j'ai compris la valeur », l'état d'esprit agile. C'est ça qui est fondamental. Et finalement, ce qui est fondamental, c'est... Je me pose toujours la question de comment je fais pour motiver les gens. Comment je fais pour monter leur niveau d'exigence. Quelqu'un qui est agile, il va viser l'amélioration continue, donc il va avoir un haut niveau d'exigence. Ce qui me touche régulièrement, c'est quand j'ai des équipes qui, genre, ça s'est bien passé, impeccable, on était super bon. Et manifestement, il y a quand même... Mais vous avez été super bon, mais là on aurait pu l'améliorer. Ah oui, ça on aurait pu l'améliorer. Et ça. Donc le niveau d'exigence, la motivation. C'est pas grave qu'on échoue, c'est pas grave qu'on se plante, mais c'est bien d'avoir un bon niveau d'exigence et de tendre vers ça. Et ma grande question, c'est comment je fais pour motiver les gens? Et en fait, cette question, je me suis longtemps planté en la posant. C'est une question qui n'a pas de réponse. Enfin, la réponse, c'est je ne peux pas motiver les gens. Pas possible de dire. Toi, tu vas être motivé. Ça ne marche pas. La seule façon que je, par observation, qui fonctionne dans la motivation des gens, c'est leur cadre. Pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient un cadre de qualité. Et j'en reviens toujours à la même question. Pour que les gens soient motivés, pour que leur niveau d'exigence monte, ce qui est finalement une cible de l'agile, l'amélioration continue, etc., il faut que le cadre soit de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, l'entreprise va être transparente, l'entreprise va être alignée. On doit clairement dire les choses, on doit avoir un confort de travail, etc., etc. Vous ne pourrez pas motiver les gens, et j'essaye et je me casse les dents régulièrement, mais vous pourrez faire qu'un cadre est beau, fonctionne bien,
Et là, les gens ont un espace dans lequel ils vont se motiver eux-mêmes. Des détails. Le look des murs agiles que vous avez est très important. C'est un petit détail, mais pour moi, c'est un témoignage fort. Faites un beau mur, les gens vont s'appliquer, les gens vont travailler mieux. Vous faites des belles choses, les gens s'appuient dessus et s'automotivent. D'accord ? On a toujours la pyramide de Maslow, etc., sur les questions de motivation. Finalement, j'en reviens un peu à ça. Je cherche comment motiver les gens. Non, ben non. Motiver les gens, c'est... On est dans l'agile. On donne des contraintes, on donne un cadre. Et ce cadre, plus il est de qualité, plus les gens pourront revenir dessus. Pour qu'il soit de qualité et qu'il soit sain et qu'il puisse motiver les gens, il faut que l'entreprise propose des vraies valeurs qui vont motiver les gens. Un vrai cadre qui se base là-dessus. Je ne sais pas si je suis clair. Sinon, j'ai souvent l'impression de me retrouver face à des zombies. Oui, on va faire un sprint planning. Oui, on va faire une rétrospective. Etc. etc. Je finis et on pourra se poser quelques questions. Ouais, j'essaie de rappeler ce que je disais au début. Donc, j'aime bien la notion de réalité agile. On arrête d'être dans l'agile fantasmagorique, mythologique. C'est compliqué parce qu'il y a une telle diffusion de l'agile maintenant. Tout ce qui est à la mode, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de branches différentes. Ceci dit, moi je ne suis pas là pour dire qui est bon agiliste ou pas. Il peut y avoir plein de versions différentes, plein de visions différentes, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un peu trop tard à la crème maintenant. Donc attention, la réalité agile, c'est rigueur, c'est effort, c'est vous allez faire émerger des problèmes. C'est si vous restreignez aux pratiques, vous allez aller dans le mur. Je suis désolé, il va falloir s'accrocher aux valeurs pour que ça soit pérenne et pour qu'il y ait vraiment un effet de levier. Dynamique du décideur, pas de bottom-up, désolé. Des externes, du sang neuf, raconter une histoire. Donc ça, pour moi, c'est le conditionnement d'une bonne transition agile. La question RH est clé. Des processus qui sont émergents. Donc attention, tentez ce que vous voulez, mais sachez que vous pouvez jouer à l'apprenti sorcier et mettre l'entreprise dans un état instable. Il va falloir réussir à la ramener après. Hein. Okay. Faire émerger des choses. Donc les problèmes sont une réponse. Alignement sur les valeurs. Si vraiment on a un alignement sur les valeurs, un cadre qui dit non, mais voilà pourquoi on fait les choses, on va pouvoir ne pas faire de l'agile, mais être agile. Donc vraiment, il y a un cheminement à faire des pratiques aux valeurs. Le plus important, et ça j'en ai pas du tout, et ça je suis ultra ravi de cette mission, de plein de raisons, mais en tout cas grâce à ça, il y a un 11e commandement qui est très important en agile, c'est essayer de vous amuser au maximum. Tout ce qui est que vous vous amusez, dès que vous vous amusez, ça fonctionne. Je ne veux pas vous sortir tout ce qu'on a fait, mais je vous assure qu'on a fait des conneries, et à chaque fois, c'était source de bénéfices. C'était bénéfique. J'ai fini. Je ne sais plus jusqu'à combien j'ai. J'ai 5 minutes. Donc, je vous propose des questions. 5 minutes. Oui, vous avez dit qu'au cours de notre émission... On va se tutoyer. Tu m'as dit, enfin tu nous as dit même en l'occurrence au cours de ta mission que tu avais eu des petites difficultés RH, des gens qui avaient dû changer un petit peu de profil de poste. Donc ça, on ne les a pas mis leur premier cadre motivant, comme tu dis. De la manière, tu as tenté du succès. On a essayé. Voilà, tu as tenté du succès, mais tu avais réussi à fournir un cadre motivant à d'autres, à des experts techniques, pilier de l'entreprise qui du coup avait pu rester se sentir valorisé. C'est bien, parfait. Donc c'est bien effectivement de trouver un cadre valorisant aux gens, ça va se faire bien se je partage ça même en l'occurrence. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, à contrario, des gens dont tu as dû te débarrasser, si, c'est très bien pointé. Pas du tout en accord avec le truc, ça s'est mal passé, là c'était quand même moins fun là en l'occurrence. Tout à fait. Donc ça, on dit que ça expose des problèmes. ça peut être un problème, des gens qui ne veulent pas bosser ou qui ont un mauvais esprit. Eh bien ça les expose. Donc dans votre entreprise, vous avez probablement des planqués, et j'ai rien contre les planqués. Si je suis dans une entreprise que j'aime pas, mais j'y suis, il faut bien que je fasse nourrir, il faut bien que je me nourrisse, il faut bien que j'ai une maison, j'ai peut-être des passions à côté, et j'ai peut-être décollé dans mon plan de carrière, je suis dans une entreprise, et finalement, ce qui m'intéresse, c'est autre chose à côté. Donc j'ai rien contre. Et donc du coup, m'emmerdez pas, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi faire ce que je veux. Ça va se voir en agile. Ça va se voir, le gars qui n'est pas nocif, c'est-à-dire qui n'est pas nuisible, non, il a le droit d'être tranquille dans son coin, m'emmerdez pas. Ben, si ses autres partenaires d'équipe sont prêts à l'admettre, ils vont le garder dans l'équipe.
on a croisé des gens qui sont plus offensifs, on va dire. Non seulement ils n'apprécient pas, ils bossent ou ils bossent pas, peu importe, mais en plus ils remettent systématiquement en cause les choses, etc. Un côté un peu nocif, négatif, bon, pas forcément. Enfin, c'est toujours très contextuel, c'est toujours très compliqué. Ils sont aussi exposés. Donc il y a des gens qui ont dû quitter l'entreprise. D'accord ? Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, ou alors il faut trouver des positionnements transverses. Et en pratique, ça s'est passé comment ? C'est toi qui arrives à gérer ça ? C'est les RH qui ont pas géré ? Ça s'est déroulé sur une longue durée, sur une courte durée ? Généralement, il y a quand même un antécédent, un passif assez fort. Donc, il y a quelque chose dont tout le monde est au courant, parce que tout le monde est au courant du tout sur tout le monde dans le boîte, par exemple. Hein, okay. Et là, tout d'un coup, ça vient en évidence à fond. Ouais. Et donc, c'est déclencheur. Donc, il y a tout un passif et c'est déclencheur. Et généralement, dans le mot déclencher, c'est assez rapide. D'accord. Il y en a très peu, hein. Commencez pas à vous inquiéter, il y en a très peu, mais. Et dans ces très peu, il y a toute une partie de gens qui veulent laisser moi tranquille dans mon coin, pas de problème. Une partie de gens, ouais, ça devient compliqué, parce qu'une telle exposition, ça devient compliqué pour obtenir. D'accord. Je suis persuadé que les jeux agiles et le format forum ouvert Open Space apportent beaucoup sur la motivation, l'implication, au-delà de tout ce que ça apporte à côté. Si tu les as utilisés, à partir de quand tu les as introduits, à quel moment ? Est-ce que ça a été un compromis de départ de ne pas les faire, ou au contraire, est-ce que ça a été un vecteur dès le départ ? Dans les jeux agiles, type Marshmallow et compagnie, moi je suis beaucoup plus Marshmallow. C'est ça dont tu parles ? Des deux sortes, hein, ceux qui sont à valeur produit, user story mapping, vision produit, etc. Et aussi les ceux à valeur humaine, donc sur l'auto-organisation, la communication, etc. Comme il y a le fun, on les fait à intervalles réguliers parce qu'on aime bien ça. Par contre, je pense pas que ce soit. Je ne crois pas que les jeux soient des médicaments, des remèdes. Si vous avez un problème, on parle de problème dans l'équipe, je n'ai pas vécu un jeu qui résout les problèmes. Par contre, un jeu qui sensibilise. C'est fini ? 5 minutes ? Ok. Un jeu qui sensibilise. On a fini nos questions, Miguel. Tu viens avec le bon. Ouais. Je me sers des jeux pour sensibiliser. Je me sers des jeux pour rappeler les choses aux gens. Je ne me sers pas des jeux pour essayer de résoudre des problèmes. J'aurais tendance à penser que ça risque de les exacerber. Parce que là, pour le coup, le jeu peut devenir un outil dangereux. C'est, allez, comme vraiment vous ne vous entendez pas, on va faire un marshmallow et celui qui perd... Donc je me sers des jeux à intervalles réguliers pour sensibiliser. Quand tu parles des questions story mapping, etc., ben ça c'est utilisé, mais c'est plus un jeu, c'est quasiment un outil. Enfin, c'est, à chaque redémarrage de release, tu as du story mapping, etc. Quoi. Là, je te parle de. Quand je te parle de Marshmallow, je te parle de spécificateurs, tu sais, artistes spécificateurs, tout ça. Bon, le fait d'avoir régulier, c'est bien. Non, mais c'est. Ne sous-estimez pas, effectivement, la pizza, la bière. Ah, j'ai une équipe qui m'a fait un truc très bien, je recommande à tout le monde. Elle va se reconnaître, le cocktail. Donc, au lieu de dire sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, elle a dit cocktail A, cocktail B, cocktail C. Donc A, je ne sais plus ce que c'était, B c'était Bloody Mary, C c'était chien hurlant, c'était pas mal chien hurlant, c'était la grenadine avec de la tequila. Donc à chaque review, c'était cocktail. D'accord, D, je ne sais plus ce que c'était. Après, on ne peut plus tous les suivre. Hein. Le job, il change. Hein. Au début, on a une équipe, on est Scrum Master, un peu ce qu'on veut. Puis le département, on commence à être coach du département. Puis quand on arrive à l'organisation, qu'on a 15 Scrum Master, 15 Product Owner, on a un problème, on ne peut plus les suivre. Une chose dont je n'ai pas parlé là, qui est un vrai souci que j'ai sur la mission, on commence à regrouper les Scrum Master et à regrouper les Product Owner pour essayer de faire avancer les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Un des vrais échecs de la mission actuellement, mais c'est un cas très particulier, je vous ai dit, la boîte est en train de se faire racheter, c'est fini ? La boîte est en train de se faire racheter, etc. Blablabla. Donc du coup, il n'y a pas d'investissement pour le transfert, la promotion en interne. Et là, c'est un vrai problème. Merci, désolé.